Ala du kiri kunzo kanda mwana yenda genga me mutila. La du kiri kunzo kanda mwana yenda genga me mutila. Yenda dia tiri mundeko yenda genga me mutila. Yenda dia tiri mundeko yenda genga me mutila. Kala turiri kuna nzobu mana jambo wabonga buku mwana. Yenda tangi inga tuwa zaba, yenda longo kenga tuwa lubuka. Yenda tangi inga tuwa zaba, yenda longo kenga tuwa lubuka. Kumatumpa siza zingi zeko, unjala ulinda kuiza. Kala du kiri kunzo kanda mwana yenda genga me munjila Kala du kiri kunzo kanda mwana yenda genga me munjila yenda jati di mundeko yenda genga me munjila yenda taribi tukutuku bigweyo yenda taribi tukutuku bigweyo yaka kabi mpumbulu bigweyo Kala turiri kuna nzobu mana jambo wabonga buku mwana Yenda tangi inga tuwa zaba Yenda longo kenga tuwa lubuka Yenda tangi inga tuwa zaba Yenda longo kenga tuwa lubuka Kumatumpa siza zingi zeko Njala ulenda kuiza Kala du kiri kunzo kanda mwana yenda genga me munjila Yenda taribi tukutuku bigweyoke Yenda taribi tukutuku bigweyoke Yaka kabi mpumbulu bigweyoke Kala turiri kuna nzobu mana jambo wabonga buku mwana Yenda tangi inga tuwa zaba Yenda longo kenga tuwa lubuka Yenda tangi inga tuwa zaba Yenda longo kenga tuwa lubuka Kumatumpa siza zingi zeko Njala ulenda kuiza Eh bien, en direct, nous sommes en direct de la radio du peuple, la radio de la résistance congolaise. Ce soir, nous allons encore entretenir avec un homme, un leader d'opinion, l'idente, vous connaissez tous sur la place de Paris, pour sa position radicale envers le pouvoir du peuple congolais en train de défendre nuit et jour. Et oui, il est là. Je vous présente Monsieur Samba Diakoumbi. Samba Diakoumbi, notre leader d'opinion, notre consultant, va s'exprimer sur l'actualité du Congo-Brazzaville. Monsieur Samba Diakoumbi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Juste, comment allez-vous? Et très bien, monsieur Samba Diakoumbi. Monte un peu. Alors, parlons un peu du Congo-Brazzaville, le Congo que nous aimons tant. Qu'est-ce qui se passe réellement au Congo? À l'heure actuelle, on entend par-ci par-là
C'est toi, ça. Vous savez, la situation du Congo, elle est difficile et facile. Difficile parce que ça donne le tournis à plus d'un d'entre nous. Facile parce que nous avions défini qu'il y a eu la volonté d'un monsieur et d'un système après avoir accédé au pouvoir, après avoir conservé le pouvoir, il croit fermement qu'il pourrait arriver à confisquer ce pouvoir. Mais nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, que les voies et moyens de la confiscation connaissent des difficultés de parcours. Et au sortir du 20 mars, nous constatons que cette date sera marquée dans l'histoire de notre pays, comme tant bien d'autres dates, comme avec de l'encre noire. Et tous les Congolais du nord au sud et ceux de l'étranger se sont mis debout pour barrer la route à ce système. Et nous pensons que nous allons y arriver. Tous les ingrédients vont dans ce sens. Oui, nous allons y arriver. Nous appelons à tous les Congolais du nord au sud de se lever. De se lever enfin. De se lever pour chasser ce monsieur. Je dirais ce vampire et sa clique. Alors, monsieur Samba Yakundi, quelle est votre position sur l'appel lancé par monsieur Charles Yakaï Boao sur la désobéissance civile? Non, avant de l'arriver à cet appel, il faut savoir que la désobéissance civile est un droit d'un peuple. Attendu que celui qui semble croire que le pays l'appartient était présent au palais en août 63, il ne veut pas commettre ce qu'il appelle les bêtises faites par les anciens politiques. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, la désobéissance civile, elle est permanente et nous allons y arriver. Maintenant que le troisième pilier de le système de la gouvernance du Congo a pris ses responsabilités, nous dirons juste que nos amis les gouvernants ou nos adversaires les gouvernants croient en faisant des faux fuyons ou en faisant des fuites en avant qu'ils vont réussir. Mais les hommes politiques de grand calibre savent qu'il faut savoir s'arrêter, savoir faire un état de conscience et rebrousser chemin. Maintenant que ce système se croit, se pavane, s'enorgueillit, mais l'histoire montre que les expressions qui sont les leurs symbolisent la fin, symbolise la peur. Malheureusement, ou fort heureusement pour nous qui sommes à l'étranger, savoir que nous représentons, nous avons beaucoup plus de temps. Mais pour eux, le temps ne joue pas en leur faveur. Donc pour l'appel, c'est une bonne chose. Nous allons y arriver. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais, et plutôt, continuons. Parce que l'animal est blessé. Oui, peuple congolais, debout, peuple congolais, debout, Téléma, peuple congolais, Beno Téléma, du nord au sud, peuple congolais, il y a Pointe Noire, il y a Kwilu, il y a Dolizi, il y a Nyari, il y a Kayi, Madingu, Bwansa, Madingu Kai, Kakamweka, Babwa Nyoso, Benokuwa, Mbela Yayi,
beno telema bato ya likwala ya la songa ya la cuvette cuvette ouest owando bunji makwa bo telema owando bunji makwa oyo et pena bo telema peuple de Brazzaville de Pointe-Noire, lèvons-nous, disons non, 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 non à Sassou Nguesso et sa clique, aux sanguinaires, aux criminels. Alors, papa Samba Diakoumbi, nous avions appris que le pouvoir de Brazzaville, ça, selon des informations sûres, aurait préparé comme ils ont l'habitude de le faire, pour déstabiliser la garde à la maison d'arrêt. Donc, c'est-à-dire envoyer des mercenaires pour attaquer la maison d'arrêt afin d'en profiter, d'éliminer physiquement le général Mokoko, Paulin Makaya et autres leaders d'opinion enfermés injustement à la maison d'arrêt. Et ces mercenaires qui vont essayer d'attaquer la maison d'arrêt vont se faire passer comme les éléments du général Mokoko pour venir le délivrer. Par contre, c'est leur montage. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça et si ça s'avère. C'est vrai. Que dites-vous sur cette information? Vous savez, pour nous qui avons connu ce système depuis 1977, et pour nous qui le suivons depuis la Deuxième République, celle du président Alphonse Massamba Déba, parce que la première, c'est celle du président Youlou. Et après, il y a eu, je crois, une période transitoire. Cela ressemble à des méthodes de notre temps. C'est une information qu'il faut prendre avec pincette. Parce que nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, le pouvoir est aux abois. Que veut-il? Mais on peut juste leur dire, porter atteinte physiquement au général, à tous les opposants, c'est du faux fuyant. Qui ne s'hasarde même pas. Il va encore empiétrer, il va encore compliquer leur situation. Ce ne sont pas des fuites en avant. Je vais vous prendre un exemple. En 1960, d'abord dans la fin des années 50, c'est M. Julien Boukambou qui était allé parler au président Fulgence Hulot afin qu'il puisse rentrer en politique. Et après cela, le président Fulgence Hulot se sont retrouvés avec ce dernier en bis-bis. Il y a eu le premier procès qu'on appelait au Congo le procès des communistes. On avait fait porter les mêmes chefs d'accusation fallacieux, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, détention illégale des armes, déjà en 1960. Mais comment voulez-vous, 50 ans, plus de 50 ans après, le monsieur là, ou le système au jour d'aujourd'hui, réutilise le même logiciel. Oui, effectivement, oui. La même méthode. La même méthode. Et encore, en usant cette méthode, il y a un point qu'ils n'ont pas pu. En pleine nuit, le président Youlou est allé rendre visite à la maison d'arrêt au président Kikungangoy. Parce que c'était des hommes d'État. Ils mettaient l'intérêt général, tout ce qu'ils font là. Ils ont pensé prendre Alain Makaya, Paulin Makaya, tous les leaders politiques.
ce sont des fuites en avant. Ça ne les honore pas. Qu'ils se mettent debout, qu'ils fassent un examen de conscience et qu'ils reculent. L'histoire retiendra autre chose que d'aller intimider. On est à peine 4 millions. Ils ne vont pas gagner cette bataille. Ça, c'est vraiment... Et nous, peuple, nous ne sommes pas de revanchards, eux pour eux, dents pour dents. Qui n'aient pas peur de faire le meilleur coup de pas devant l'histoire. Le Congo se retrouve devant son histoire et tous les fils sont debout. Même s'ils croient être super hommes par rapport aux autres Congolais, il se met lui-même dans la mer, il met sa famille dans la mer et même sa procréation. Que va-t-il laisser? Merci. Eh oui. Je lance encore un appel auprès de mes frères, sœurs congolais, les militaires, les policiers. Bino oyo boko kende ko boma baninga. Beke na kwenda ku kufwa bapangi. Ça mon a pouvoir. Vous ne savez pas que demain ça peut être aussi votre tour. Mais pourquoi ne pas dire ça suffit? Pourquoi ne pas dire ça suffit? Qui n'ait pas peur? N'ayez pas peur. Le ciel ne tombera pas. Pourquoi que lui? Pourquoi il n'y a que lui et sa famille? Pourquoi pas toi, soldat? Pourquoi pas toi, enseignant? Ete Yabino, Benkoua. La voix du peuple libre, la radio de la résistance est là pour vous. Comme on vous avait dit autrefois, si vous avez un message pour faire passer, comme au Congo, vous ne pouvez pas le dire. Envoyez-nous ce message. Nous allons faire passer sur nos antennes. Dans notre pragmatisme de lutte syndicaliste, de lutte anticolonialiste, dit qu'il fallait trouver à Machandré un substitut, soit un intérimaire. Bon, si Machandré revient, il reprendra sa place. Mais il nous fallait un leader vivant, un leader politique vivant, qui porte la lutte politique aux côtés des autres, comme le Pango, comme le Chikaya, etc. Et c'est comme ça nous avons été 6. À lancer la candidature de Youlou. Le 5 septembre 1955, nous sommes partis Tolé Gangabel. Un certain Corneille qui était moniteur. Et moi, nous sommes allés à Mindouli pour demander à l'abbé Philibert de venir parce que Chikaya ne faisait plus l'affaire. Lui, il m'a posé la même question que celle que tu m'as posée, là, Youlou. Mais comment tu viens me chercher? Toi, tu es secrétaire général du PPC. Toi, tu es communiste, est-ce que tu vas faire la propagande? Je lui ai dit, mais si je suis communiste, moi, tout le Congo n'est pas communiste. Et puis, on est venu vous chercher, moi, pas en tant que communiste, je suis venu vous chercher en tant que nationaliste. Je sais qu'il faut quelqu'un pour se présenter. Il fallait quelqu'un qui ait une certaine image, un préjugé favorable dans l'opinion, dans la conscience collective. Et un aveu aussi de certains degrés d'intellectualité possible pour porter un leadership politique, porter les problèmes politiques.
Et à l'époque, je nous passais pour quelqu'un qui avait les deux tiers du dictionnaire dans sa tête. C'est qu'il était bon intellectuel et qu'il en avait certaines capacités intellectuelles. Il n'y a pas plus d'arguments qui portaient que ça. J'ai connu Youlou, moi j'étais déjà moniteur. Quand il est venu faire l'apostolat à Mindouli. Les prêtres blancs ne voulaient pas manger avec lui, j'étais trois. Il y avait Youlou, il y avait Théophile Mbemba, il y avait Louis Loubas. Et nous mangeons ce bas pendant 8 mois, parce qu'il devait rester seulement 8 mois à Mindouli. Et c'est comme ça que pour la première fois que j'ai connu Youlou. Maintenant, Youlou, ordonné prêtre, est affecté à Brazzaville. Il a monté un groupe de jeunes, et en collaboration avec les Pères Lecomte, ils ont créé ce qu'ils appellent la messe des pirogues. On fait une confusion, et les syndicalistes, et les dirigeants de la jeunesse, puisque bon, c'est cette tendance-là, communiste et tout, bon, on nous prend tous en prison. Un grand tapage est fait autour. Ils avaient des armes, ceci, le complot communiste. Par la suite, j'ai découvert les rapports qui ont déterminé notre arrestation en 60. Je n'ai aucun compte à régler avec Youlou, ni sa personne, ni sa politique. Mais je sais que Youlou était cloîtré par les fascistes. Qu'est-ce qu'on dit dans ces rapports? C'est le commissaire central Pointy qui a fait l'enquête, qui a fait le rapport qui a permis de nous arrêter. Il a dit, monte, la CGAT monte en flèche dans la grève de l'eau électricité. Champion intransigeant de l'indépendance et naturellement communiste. Ce sont ces trois motifs qui ont déterminé qu'on nous arrête. Un soir, Youlou vient à la prison avec M. Blanc, qui était son garde-corps, M. Poibou, le juge d'instruction. Poibou lui a dit non. Il est venu s'agenouiller là devant moi. Il a dit, il s'est mis à pleurer. Je dis, Monsieur le Président, ne faites pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, ne vous agenouillez pas. Il dit non, parce que je me suis fait trop de mal en te le faisant. On m'a trompé. Moi, je le dis, Monsieur le Président, pourquoi vous ne voulez pas que les Lari ou les Bagangala militent dans d'autres partis que dans le vôtre? Ah, il dit, mais ceux-là, surtout, voilà, les Bukambu, les... Non. Il dit, bon, mais écoutez, on va réfléchir. Je voudrais que tu sortes ici, ministre. Je dis, Monsieur le Président, que ceux-là sortent ensemble avec moi, oui. Et dis-moi, on arrangera. Tes amis vont sortir. Il faut leur donner un peu de conseil. Un bonjour, on nous convoque au tribunal. Sans audience, sans rien du tout, un non-lieu pour votre procès, vous pouvez rentrer chez vous. Chacun est parti, reparti dans sa cellule, chercher son petit sac, et on est tous remis dehors.
Mais leur avis est dénué de toute
de valeur, c'est du cafouillage. C'est du cafouillage. Vous avez compris? Oui. C'est pour ça. Au lieu d'aller chercher l'article 86, où on lui dit, monsieur le président, voilà vos compétences. Il est parti chercher l'article 110 qui s'adresse au président Koumba, même si le président Koumba veut aussi le changement de la Constitution. Vous trouvez ça normal? Non! Est-ce que c'est normal? Non! Donc, nous allons dire honte à la Cour constitutionnelle. Mais j'ai reçu quelques membres de cette Cour. Ils m'ont dit, monsieur le ministre, mais comprenez-nous, c'est ça qu'ils voulaient. On nous a forcés. On ne nous a donné que 2 jours. On dormait là, on ne pouvait pas repartir à la maison. Alors que d'habitude, la Cour constitutionnelle, pour répondre, a besoin d'un mois, sinon un minimum de 10 jours. Mais là, ils ont été saisis le 14, le 17, ils ont rendu l'arrêt. Vous voyez où il y a le cafouillage, non? Maintenant, quand nous nous levons, nous parlons de la démocratie, on nous apporte le problème de la paix. Je voudrais dire que nous sommes des hommes de paix. Les Congolais sont des hommes de paix. Les Congolais et les Congolais sont des hommes de paix. Le Congo est un pays de paix. Mais enfin, quand ici même, ici, j'étais là, le 29 novembre 1992, ici, là, c'est ce qu'ils m'ont enseigné. Au Congo, il faut toujours en être un homme d'honneur. Et je réponds, monsieur le président, je reste un homme d'honneur. Pour la Constitution. Aujourd'hui, je dis aussi non à mon propre président pour la Constitution. Alléluia! Alléluia! Nous sommes créés par Dieu des hommes libres. Même Dieu, notre Créateur, ne nous oblige pas à croire en lui. Liberté, on va donner à quelqu'un? Non! Est-ce qu'on peut prendre la liberté de donner à quelqu'un? Non! C'est pour cela. Comme on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Le peuple a dit non! Le peuple a dit non! La bande de l'Union pour la
otage pour faire passer, comme au Congo, vous ne pouvez pas le dire. Envoyez-nous ce message. Nous allons faire passer sur nos antennes. Alors, monsieur Samba Diakoumbi, on a appris, je ne dirais pas la fuite ou la disparition de notre leader de l'opposition, André Okombi Salissa. Il se trouve où actuellement? Nous ne connaissons pas. D'autres disent qu'il est à Brazzaville caché quelque part. D'autres, par contre, il est aux États-Unis. D'autres, il est ici. Alors finalement, vous avez quelque chose à dire sur lui? Non, mais Aos, je crois que c'est. Nous sommes de la même génération. Nous avons étudié en Union soviétique pendant la période de pratiquement la fin de la perestroïka. Le début de la perestroïka et la, enfin, qui a conduit jusqu'à la chute du mur de Berlin. Je parlerai plutôt au conditionnel. Nous l'avons dit sur la toile. Si l'information, je dis bien, si l'information selon laquelle que M. Okombi est sorti du Congo s'avère juste, et ce dont beaucoup de compatriotes désirent, tapez sur YouTube le documentaire « Comment la CIA influence ou a influencé les révolutions de l'Europe de l'Est ». Parce que je peux vous dire, il est fort possible. Il est fort possible que ce déplacement puisse leur donner des sueurs froides. Nous retenons une chose. Tous les ingrédients sont là pour l'explosion. Ça ne va faire arranger les affaires d'un aucun cas. Okombi, il a eu ses ambitions. Il est arrivé au perchoir. Le chef, il a été sous la protection du chef. Au jour d'aujourd'hui, il a décidé de sortir de cette protection-là. C'est son droit le plus absolu. Maintenant, s'il faut analyser où est-il, qu'en est-il, là n'est pas la question. Mais nous pensons que si l'information s'avère juste de données, regardez ce reportage, vous verrez quelle est l'action politique menée par le sénateur John McCain sur le point de vue des révolutions de l'Europe de l'Est. Et voilà. De moins, il est certainement dans un lieu sûr. Je vous dis, la grande question qu'il soit dans un lieu sûr, c'est fort possible. Mais si elle s'avère juste qu'il se retrouve dans le pays de l'oncle Sam, les gouvernants ont intérêt à savoir sauvegarder leur sueur froide. Merci. Et merci, monsieur Samba Diakoumbi. Votre dernier mot pour ce soir. Je crois que le dernier mot doit être à l'endroit du peuple congolais. Nous vous demandons, mettons-nous debout. Apparemment. Mettons-nous debout. Oh, au jour d'aujourd'hui. Au contraire, ils ont peur de nous. Vos enfants qui sont de l'autre côté de la diaspora, on a fait notre travail et la victoire, elle est certaine. Rappelons-nous de notre histoire dans le passé, écrivons celle du présent pour que nos descendants et nos arrière-descendants se disent au moins, voici ce que les parents ont fait. Nous vous remercions. Merci, merci, merci. Je vous rappelle que vous êtes en direct de la radio
la voix du peuple libre, la radio de la résistance congolaise. Merci encore et à la prochaine. Ciao. Ça suffit. Ça suffit. Papa, les jours. Reste à compter. Quand tu dors là, il faut se dire demain. Il faut se demander demain si tu vas bien te réveiller. Les jours restent à compter. Ça suffit. Et ciao à tous. Serbie, octobre 2001, après 12 ans d'un règne sans partage, Slobodan Milosevic est renversé par une révolution de velours. Géorgie, novembre 2003, Edouard Chevernadze est chassé par la révolution des roses. Ukraine, décembre 2004, la révolution orange porte au pouvoir Viktor Yushchenko. Kirghizistan, mars 2005, c'est la révolution des tulipes qui triomphe. Quatre révolutions non violentes, quatre régimes autoritaires, reliques de la toute-puissance soviétique, jetés aux oubliettes de l'histoire en quelques semaines. Et à chaque fois le même scénario, des élections truquées, un pouvoir qui se crispe, puis cède devant des manifestations qui emportent tout sur leur passage. Depuis cinq ans, rien n'arrête ce vent de liberté qui balaye un à un les anciens satellites de Moscou. Une aubaine pour George Bush. We have lit a fire as well, a fire in the minds of men. It warms those who feel its power. It burns those who fight its progress. And one day, this untamed fire of freedom will reach the darkest corners of our world. Une contagion révolutionnaire qui, un à un, retourne des régimes longtemps favorables à Moscou. Et qui commence sérieusement à irriter Vladimir Poutine, le maître du Kremlin. Самое опасное, знаете, создание системы перманентных революций, то розовых, то каких-то там голубых еще придумают. Вот жить нужно привыкнуть по закону. Mais comment sont nées ces révolutions? Qui les inspire? Qui les prépare? Qui les finance? Quels sont les prochains pays sur la liste? Pour chercher des réponses à ces questions, nous avons entamé un long périple. En Slovaquie, en Serbie, en Géorgie, en Ukraine, au Kirghizistan, mais aussi à Moscou et à Washington. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi les leaders de ces révolutions, ceux que Bush appelle les combattants de la liberté. Mais nous avons aussi retrouvé ceux qui se cachent dans l'ombre de ces révolutions de velours. Voici les coulisses de cette conquête de l'Est que rien ne semble pouvoir arrêter. Et là, c'est qui? Visiblement, Mike Stone n'a peur de rien, sans doute, parce qu'il peut compter sur le soutien indéfectible de son patron, le sénateur républicain John McCain, un proche de George Bush. Nous sommes allés le rencontrer au Sénat américain à Washington. C'est lui qui dirige depuis plus de 10 ans le puissant IRI, l'Institut international républicain chargé d'exporter la démocratie dans le monde. C'est son institut qui finance en partie l'imprimerie de Mike Stone, et le sénateur n'y voit aucune ingérence dans les affaires kirghizes. Je ne crois pas qu'apprendre aux gens ce qu'est la démocratie, c'est vouloir renverser un gouvernement.
C'est vrai qu'il y a une frontière fine entre encourager la démocratie et intervenir dans les affaires intérieures d'un gouvernement. Mais je suis persuadé que même sans l'aide des fondations américaines, il y aurait eu un jour des révolutions en Ukraine, en Géorgie, au Liban. C'était inévitable. Cette ligne étroite qui sépare le soutien au mouvement démocratique de l'ingérence dans les affaires d'un pays indépendant, le sénateur McCain va la franchir allègrement devant notre caméra. Excédé par les coupures de courant qui paralysent l'imprimerie, il a demandé à Mike Stone de convoquer le ministre des Affaires étrangères kirghize en personne pour une réunion téléphonique. Et quand le sénateur américain ordonne, le ministre kirghize se déplace. Good morning from Washington, good afternoon in London, Prague, and Moscow, Beijing, and in Baghdad, and good evening in Bishkek. I'm John McCain, ready for the media support. Pour que chacun retienne la leçon, la plupart des bureaux de l'organisation sont à l'écoute. The Kyrgyz Republic is an important ally of the United States, and we have expected that the printing press will continue to operate without obstacles created by either the Kyrgyz government or any state-controlled agencies. I'm outraged by the forced shutdown of the only independent printing press in Kyrgyzstan. This sort of information control is reminiscent of the old Soviet days and simply has no place in a free society. Pendant plus d'une heure, le ministre kirghize va encaisser. Il n'a pas les moyens de se défendre. Son pays surendetté est économiquement dépendant des États-Unis. À la fin du sermon, il est même contraint de s'excuser. Mr. McCain, do you hear me? Господин Маккейн, вы меня слышите? Да, я вас слышу. Мы весьма сожалеем. Such incidents, which we are sorry about, should not put shadow on the image of our government, on its many times expressed commitment to support of independent mass media. Thank you. Thank you. Jean-François Ndeng, on n'est que 4 millions au
Zoko kakolie sabana minete 4, on est que 4. Tokomi ba pauvre pour la yo. Bouya vient d'être nommé, il y a 4 jours, il a déjà 4-4. Mungala vient d'être nommé, il y a quelques jours, il a déjà 3 villas. Ebata vient d'être nommé, il y a 6 mois, il a déjà 6 domaines. Mabiala vient d'être nommé, il y a quelques mois, il a déjà 3 villas. Yokobo Yakotala, ce que voit le peuple regarde. Chirigeno Chino, ministre Mbulu. Chirigeno Chino, Rigobert. Chirigeno Chino, Jean-Pierre Mbulu. Chirigeno Chino, Bula, Tokwe, Tosana Pino Mayele. Kotikate Tama waka wonge sasu Abishiri ninchi Tama waka wonge mfuba Ebi mfubiri ninchi Tama waka wonga koso Abilemi ninchi Tama waka wongu lembu wapu Keba Chiri keno chino Tokwe Chirigeno chino, dokwe. Chirigeno chino, dokwe. Chirigeno chino, yele. Dokwe, dokwe, dokwe. Tama waka wonge ndenge, abishiri nichi. Tama waka wonge ngeso, ebilembi nichi. Tama waka mo. Chiri ninchi Yoko boya kotala Ce que voit le peuple Keba Chiri keno chino Tokwe Chiri keno chino Tokwe Chiri keno chino Chiri keno chino